Whoa! What's up? Come on, you know. Woo! Get this. Yeah, bro. Salut, non? Come on, you. Alo Satuza, Satuza get a brochure la Red Bull la. Pour get a capa grand moun. Comment nous y est? Salut nous. Cosé ou en pile, bonsoir. Bonsoir, bon salut dans l'air là, ouais, nous allons s'y parler. Comment nous y est, mes amis? Ça passe, ça gagne. Cher live là pour moi-même là. Non, là. Non, là. Bon. Pas le fond, parler sur actualité ou là. Bah, ça. Bon, quoi. Monsieur Dambo, salut. Révolution, Red, oui, là. Vive révolution, hein. Révolution va avancer là. Red. Word. Révolution, ça, debout sous Foucault, on va rentrer dans le combat révolution, ça, non. Debout, pè grand goût, debout, remè un petit bout de visa, on va rentrer dans la révolution. Mes amis, gars, comment? Mes amis, depuis, ou remè un petit bout de visa, on va rentrer dans la révolution, ça, non. Gardez ça crivé. Gardez sacrifié, Timoy, monsieur. Bon, moi, beaucoup, j'aime saisir comme ça. Bon, laissez faire nous comprendre. Sacrifié, là. Alors, compréhension, pam, sacrifié. Sacrifié, là. Mon grand goût à bataille. Mon grand goût à bataille. Et, m'de toujours dit ça. Si moi, pas de capa trahi. Guy Philippe. Si moi, pas de capa trahi, Guy Philippe. Et, m'de dit ça, gen moun ki pas de prêter attention à ça, m'dap di ya. Profil psychologique. Yon soi-disant. Nègwa batavel, faut toujours suivre profil psychologique, nègwa. Pour comprendre. Dynamique là. Pour qu'on avec qui animal politique Abdil. En pile monde commence à me raison sur réseau. Et de jour en jour, il commence à rendre compte. Mon connait ti nèg audacieux. Ti nèg gavis. Ti nèg pas jambe ba yo bon crédit mais il commence à ouais. Il commence à rendre compte de tout ça me qu'on a dit yo. Si nous remarquons là, je dis que c'est le premier qui campe dit sur le réseau ça là. Je dis Gary Conny est fou là la paix. Depuis qu'il est blanc, te remeti nèg en Haïti. Si on moun ta pensé Gary Conny ka vin ba résultat là. Kavin change système qui là. Kavin aide pays d'Haïti là. Si on moun pense, Gary Conny qui a fait travail ça, c'est qu'on pas qu'on a rien dans l'histoire pays d'Haïti. Et c'est une raison qui fait 95% de nèg noir tête grain sort illettré. Yo pas qu'on lit. C'est qu'on pas qu'on comprend rien dans rien de la politique pays d'Haïti. Depuis on moun t'a mette espoir li jodi à là. Sous Gary Conny. Pensez que Gary Conny, Kavin aide yo, pays ça à la côte lié là, c'est qu'on pas qu'on a rien dans l'histoire pays d'Haïti. Nada! Pas qu'on a rien dans l'histoire pays ça. Nada. On va étudier l'histoire ou perdre le sens de l'histoire. C'est qu'on pas comprendre rien dans rien.
T'aimerais dire ça encore. M'après dit. Pays d'Haïti pas bien font pas. Tout autant c'est un modèle individu grand goût ça. Nous elle est élite en dedans pays ça là. Qui la cap diriger. Pays ça pas bien font pas. Parce que tu m'expliquer nous bien. Pays blanc, blanc américain. L'Occident, gè 4 jouets. Gè 4 jouets. Chaque confine crée une crise. En est dans le pays d'Haïti. L'utilise 4 jouets ça yo. Pour mobiliser l'argent au niveau international sous dos Haïti. Ou gen la tortue, ou gen Laurent Lamotte, ou gen Max Belrive, et ou gen Gary Conny. Depuis trois joueurs ça yo. Depuis trois joueurs ça yo en côté. Quatre joueurs ça yo en côté. Qu'on est américain. Blanc a travail, communauté internationale là a travail. Bon, dis nous un petit bagay. Pour Gary Conny, besoin de régler un bagay dans le pays d'Haïti, pour ces bides, la rencontrer, pour ces FMI, la rencontrer, pour ces banques mondiales, la rencontrer. Depuis qu'il est, institution internationale, ça y est, t'es gagné yon politique de développement pour le pays d'Haïti. C'est que nous va comprendre l'aide au développement que pays sa yo, que institution, organisation internationale sa yo, qui coiffe, que l'ONU coiffe après glandé dans le pays d'Haïti. C'est que nous va faire histoire institution sa yo. Nous va faire histoire politique institution sa yo, internationale sa yo, mené dans le pays sous-développé. Comment yon menons, yon adopté, yon forcé un pays de, on se de petits pays en Afrique, dans Caraïbes, là, tant Haïti, avec Afrique, Asie, yon empêché pays, ça, yon connaît ça, yon le développement. T'aime dit nous encore pour nous comprendre, mes chers amis. L'ordi bid. L'ordi bid. L'ordi FMI. L'ordi Banque mondiale. Ok? Structure sa yo, organisation internationale sa yo, ces outils que l'Occident utilisait pour asseoir et maintenir hégémonie dans la planète là. Ok? Le fait l'histoire des organisations internationales, ou regarder création, institution sa yo, au niveau international, qui mission yo réellement? À qui fin? Ce sont des outils en réalité qu'il a pour promouvoir une certaine vision de l'Occident dans le monde. Ces outils, instruments que l'Occident construit après Deuxième Guerre mondiale, dans le cadre de la guerre froide, pour le capable, en quelque sorte, avancer agenda li contre ça nous t'es capable le bloc soviétique. Maintenant, en sérieux, là pour ces institutions, qu'on y a là, vous pensez que ces institutions vont venir avec des programmes de développement. T'aimes pas nous exemple bien pour nous comprendre. Ce sont des institutions qui l'ont pour priver. Petit pays qu'on est ça le développement industriel. Institution ça yo, l'Occident mette yo même pour yo faire chantage avec petit pays. De quoi pour yo pas jamais connait ça le développement économique. Ou après institution ça yo, yo toujours mettre l'accent sur ces de valeurs que l'Occident a promoté. Démocratie,
bonne gouvernance, ceci, cela. Mais en réalité, institution, ça va jamais réfléchir. Pas jamais venir avec des solutions concrètes pour aider un pays sorti dans la misère pour le connaître développement. Ce sont des instruments, des outils que l'Occident utilise pour avancer agenda hégémonique dans le monde là, au détriment des intérêts des petites nations. Des petites nations, t'as quoi Haïti? Dès pour ta vini, ou vini avec yon démarche, yon gouvernement qui besoin maintenir souveraineté nationale li, et sécurité nationale li, et indépendance li, pays sa yo, et institution sa yo, institution internationale sa yo, yo là pour yo démanteler yo. Yo là pour yo démanteler yo. Yo gonsè de programme d'ajustement structurel, yo imposé, yo gonsè de programme classique néolibéral, que yo imposé. Ces instruments, ce sont des, yo représenté le prolongement. Ok? Le prolongement du néo, ok? Impérialisme de l'Occident. Ces modèles forment impérialiste Occident en dedans, dans le 21e siècle là. L'Occident besoin faire ingérence, la caille, dans le pays où, c'est instrument ça yon l'utiliser pour faire ingérence économique, pour faire ingérence financière, pour faire ingérence politique, pour faire ingérence sociale. Bon, bah, nous quelques exemples. L'en parler de ingérence politique, l'utiliser l'OEA, l'utiliser CARICOM pour faire ingérence politique. L'en parler de ingérence économique, l'utiliser BID, l'utiliser FMI, l'utiliser Banque mondiale, l'utiliser USAID. Ce sont des instruments qu'il a pour le faire ingérence en dedans pays où, au détriment de souveraineté nationale. L'elbeuse fait ingérence sociale en dedans pays où, l'utiliser yon dal ONG, tête en bas, pour venir en dedans pays ça, pour venir créer problème plus. Maintenant, l'el suspect ou son chemin pour réclamer droit ou autonomie ou indépendance ou, li créer instabilité. Li créer stabilité en dedans pays. Comment créer stabilité? Li créer une opposition face à un gouvernement qui est élu légitimement. Opposition ça a vini, li déstabiliser pays, créer crise, vide la crise, et puis qu'on y a pour lui-même, pour l'Occident qui a vini assurer transition. Dans transition, hein, li pas fait ingérence. C'est dans transition, hein, que l'Occident va utiliser tout instrument, li va venir avec tout jouet, li va venir avec tout, li va mobiliser tout ça, arsenal que yo gagné au niveau international pour intervenir en dedans pays sous couvert de crise humanitaire, sous couvert crise humanitaire qui ba yo droit d'ingérence, sous couvert de questions de sécurité nationale, sous couvert de stabilité régionale, et puis s'attendre à yo entrer en dedans pays ça, yo vinn fait et défait. Maintenant, je veux être clair avec vous. Je ne suis pas de ceux qui se retirent ou se perdent. Ok? M'a de moun pour me retirer, pour me perdre 10 têtes. Gonseye de jouets fond qu'on est. Allez dans le pays d'Haïti. Sous scène politique pays d'Haïti. Lorsqu'il s'agit de la communauté internationale, la communauté internationale, ce sont les institutionnalistes qui ont gouverné, les globalistes qui ont gouverné la communauté internationale. La tendance générale, la théorie dominante en matière de relations internationales, ce sont les institutionnalistes qui ont gouverné, les libéraux cap gouverner. Yo gon vision du monde. Les globalistes cap gouverner. C'est eux-mêmes qui définit agenda monde lan.
C'est eux-mêmes qui définissent toute dynamique, tout mouvement qui a fait dans le monde là. C'est eux-mêmes qui décident qui pays qui a croître, qui pays qui a grandi, qui pays qui a stable, qui pays qui pas stable, qui pays qui a avancé, qui pays qui conformel, qui pays pas conformel, qui pays a sanctionné, qui pays pas sanctionné, qui pays a poussé, qui pays pas poussé, qui pays a pas investi, qui pays pas investi, qui pays a kembe pauvre, qui pays a kembe pour avancer. C'est eux-mêmes qui décident ça. Yo concentré ensemble de ressources qui gagne au niveau international nan meyo yo gon agenda clair et avec agenda ça yo mette en place des institutions internationales pour yo capable en quelque sorte avancer avec agenda globaliste ça yo gagne. Maintenant mes chers amis, pour comprendre bien l'enjeu, ou attendez les nèg qui globalisent, ou attendez toute analyse à faire, dit nous sommes dans un contexte de mondialisation. Oh, le monde, c'est un village. C'est ce discours, en quelque sorte, qui est cococté à l'Occident, qu'il y a 20 nous dans le monde-là. Maintenant, toute velléité nationaliste, autonomiste, de souveraineté, souverainiste, les globalistes, ils comptent lui. Ils ont pas d'accord. Parce que, en réalité, tout temps de ça, yo, ok, coopération équitable, juste, yo pas d'accord. Coopération sud-sud, nord-sud, yo pas dans des massas. Yo même yo gon conception du monde, comme étant un village. Yo gon agenda, y'a pour avancer avec elle. Yo besoin market mondial, yo marché mondial, yo économie mondiale, qui contrôlé par un petit groupe, yo minorité. Yo gon vision d'être interdépendante de l'économie mondiale. C'est comme ça yo concevoir. Faut yo capable de déboucher économique pour entreprise yo, pour industrie yo, pour firme multinationale yo. Effectivement, c'est là toute problématique là. Surtout avec les avancées technologiques. Les nouvelles technologies. Viennent permettre en quelque sorte accélérer. Mouvement ça. Maintenant, le problème qui se pose, il y a un pile pays qui pas retrouvé en dedans dynamique de globalisation ça. Parce que en matière de avantage comparatif, en matière de compétition, pays ça pas équipé, y a plus subi mondialisation, hein, globalisation hein, que y a capable au lieu de bénéficier de lui-même. Maintenant, ceci étant dit, mes chers amis, pays d'Haïti trouvez nos carrefours historiques. Côté, en réalité, li obligé de redéfinir paramètres li. Dans le contexte mondial, ça là. Ok? Dans le défi que le monde l'a confronté là, Haïti obligé de redéfinir paramètres li. Mondialisation. Ok? Globalisation. Ok? Théorisme. Crime transnational. Regardez, je vais manger Jovenel. Le crime transnational. Ok? Tout bagay ça yo. Faut redéfinir yo. Faut Haïti redéfinir paramètres li. Pour connait comment la ajuster en conséquence avec dynamique mode là. Mais si la regardez, au niveau mondial, bon résistance qu'a fait. Des alternatives qu'a proposé. Par exemple, les pays BRICS. BRICS a battu pour proposer une alternative. Par rapport avec l'ordre mondial, je ne dis rien. Y a battu pour construire un monde multipolaire. Y a battu pour construire des contre-forces. Ok? Pour contrecarrer et hégémonie l'Occident. En dedans, dans le monde là. La Chine, l'Eurasie. Ok? La Russie. Maintenant, il y a des avancées considérables qu'a fait en matière de géopolitique et stratégique pour y rééquilibrer pouvoir de power structure. Non, monde là. Maintenant, ceci étant dit, en dedans, nos pays d'un coup pays d'Haïti, comment nous-mêmes, nous carré défini tête nous, dans monde là? Qui est-ce qui en mis nous, dans monde là? Qui est-ce qui allié nous, dans monde là? Qui ça nous besoin? Qui ça nous a offri? Comment on a défini tête nous avec les puissances régionales?
Comment nous, qui rapport n'a défini avec l'OEA, qui sont instruments, non mais États-Unis, Washington? Qui rapport nous parle redéfini avec les pays de résistance de l'Amérique latine, tant qu'au Nicaragua, tant qu'au Cuba, tant qu'au Venezuela? Qui rapport n'a pas redéfini? N'a pas défini avec pays ça? Comment nous besoin des hommes et des femmes qui pas seulement inscrits tête dans un schéma globaliste, dans courant dominant néolibéral cap et dans monde là, mais qui commence à comprendre dynamique enjeu géopolitique et stratégique monde là pour être capable inscrits tête dans perspective à long terme. Jean ouais dynamique monde là avancer là. Même Jean pays africain, des pays en Afrique après défini dans monde là. Après définir tête sous scène internationale là, il faut penser à ça. Nous besoin des hommes pour nous penser à ça. Et de là on vient, nous nos dynamiques côté monde là viré. Nous nos dynamiques côté monde là et majorité pays dans monde là a réclamé ça relé autonomie yo, indépendance yo, redéfini paramètres yo, réclamé droit souverain yo en tant que peuple. Nous ça en Afrique, nous ça en Amérique latine, nous ça en Asie. Et puis pour nous-mêmes en Haïti, nous rete comme ça, nous est blanc vini, liban nous on Gary Coni. C'est un globaliste. Gary Coni, il versé dans le courant néolibéral impérialiste de l'Occident. Gary Coni, cadre référentiel Gary Coni. C'est cadre référentiel l'Occident. C'est peut-être ça, c'est un chouchou de l'Occident, de la communauté internationale, des institutions et organisations internationales. Gary Coni, au niveau international, il y a même étiquette avec et Lamotte, Laurent Lamotte, avec Max Belleville, avec et la tortue. C'est même étoffe là. Qui ça va le régler? C'est au cop yo vin derrière. T'aimes dit pour nous. Nèg sa yo, c'est que ça yo fonctionné. Créer crise en dedans pays d'Haïti et puis al solliciter aide internationale pour yo font cob sous crise en dedans pays d'Haïti. Ta fait nous comprendre game nan bien parce que faut nous bien comprendre paramètres yo. D'ailleurs, globalis yo vive de crise. Yo metteni yo hégémonie yo de crise. Ou après tout côté yo passé yo fait guerre. Et c'est ça qui explique ça là. Yo fait guerre, c'est comme ça yo riche dans crise, yo riche dans guerre, yo riche dans misère, yo riche dans pauvreté. Yo c'est parce que yo gen des programmes global pour adresser à problème ça yo. Yo générer catastrophe naturelle. Yo généré tremblement de terre, yo généré la guerre, yo généré famine, yo généré grand goût, yo généré instabilité politique, yo généré coup d'état. C'est ça yo fait. C'est comme ça yo créé crise parce que yo gon recette mondiale que yo mettez sous pied. OK? Yo gon recette mondiale que yo mettez sous pied pour yo capable avancer avec agenda politique mondiale que yo gagne. Premier bagay yo fait, yo créé instabilité au nom de la démocratie. Instabilité politique. Yo vend ti pays, anarchie politique pour démocratie. Pays sous-développé, pas qu'à démocratique. Pays sous-développé économiquement, pas qu'à démocratique. Li incompatible pour jouer nos pays qui sous-développé économiquement pour le démocratique. C'est pas possible. Ça va pas marcher. N'importe pays qui doit l'icône ça les démocraties pendant le pauvre menti. Ça va pas faire. Moun grand goût pas qu'à voter. Moun qui pas qu'on lit pas qu'à voter. Droit de vote. C'est bagay qui t'est réservé avec moun qui comprennent, qui conscient de vote yo. Moun pauvre par à voter. Moun grand goût par à voter. Moun qui n'a misé par à voter.
illettré pas qu'à voter, analphabète pas qu'à voter, anti, yo qu'à manipuler. Moun qui sort qui pas qu'on lit, yo manipulo ou pas qu'à voter. Vote sur un bagay qui mande, la démocratie, li mande des conditions nécessaires pour voter. Et c'est deux tendances qui débouchent en dedans pays qui expliquent le phénomène là. Ou pas venir faire face dans situation ça, ou pas venir faire face soit situation ça débouche sur un populiste. Yo populiste, yo dirigeant qui vini qui gagne un discours populiste. OK, anti-élitiste. Discours populiste ça avec discours populiste ça, il va exploiter misère peuple là. Il va aller un discours qui vous fait l'entendre, ça l'envie tendre hein pour le prendre pouvoir. Mais l'arrivé au pouvoir, il va pas gérer parce que il va faire face aux institutionnalistes. Il va faire face aux institutionnalistes et c'est ça qui expliquait en quelque sorte tous les grands enjeux que et populiste, président populiste, a confronté. À chaque fois qu'il arrive au pouvoir, première forme de résistance, il va faire face à elle, ce sont les institutionnalistes. Lorsque les populistes arrivent au pouvoir, il va parler pour le deal avec les institutionnalistes, qui parle dynamiser institutions, dans mes populistes, pour yo éclater pouvoir dans mes populistes non et puis soit attendez à là pour foutre les coups d'état ou vider la tête et c'est ça n'a pas suivi dans le monde là et c'est ça n'a pas gardé parce que le populiste l'elle prend pouvoir réflexe naturel lui c'est installer un régime autoritaire un régime autocratique réflexe lui c'est normal. Parce que son pouvoir populaire, il gagne. En d'autres termes, il était toujours relé ça. Nous t'écoutons toujours de ça dans l'histoire. En réalité, l'histoire pays d'Haïti, les n'apprêtus du régime politique pays d'Haïti, l'histoire des institutions politiques et sociales dans pays d'Haïti, n'a pas été marquée par deux grandes tendances majeures, des tendances libérales, en quelque sorte, qui appuyait par les institutions démocratiques et libérales. Et puis, vous avez une tendance à caractère autocratique, autoritaire, militariste. OK? Maintenant, pays d'Haïti, il y a deux grands courants qui traversent. OK? Il y a une tendance autoritariste, militaire. OK? Militariste, autoritariste, autocratique, dictatorial. Maintenant, régime ça, son régime qui toujours a une tendance publiciste, qui toujours a une tendance populiste. OK? N'a pas besoin de ça avec Duvalier. N'a pas besoin de ça avec Dimassé Estimé, n'a pas besoin de ça avec Soulouk, n'a pas besoin de ça avec Salnav, n'a pas besoin de ça avec Dessalines. Ce sont des régimes, en quelque sorte, à caractère autocratique, à caractère plébisciste, à caractère... Mais ils ont toujours battu pour concentrer le pouvoir de façon à ce que pour être capable à répondre et à une série de besoins, peuple a mandé. Mais le problème qui se pose, c'est que, yo pas vle peuple vin gon li. Parce que, j'en yon prend pouvoir, yo prend pouvoir, avec des discours populistes. C'est-à-dire, yo fait appel au bas instinct peuple là. C'est-à-dire, yo pas vle peuple gon li. Et le problème qui se pose, c'est qu'on nous confond populiste et populaire. Le fait qu'on populaire, ça ne veut pas dire pour autant, ou qu'on populaire ou pas populiste. Ok? Ou qu'on populaire, c'est l'organe des hommes et des femmes qui qu'on lit, qui qu'on écrit, qui qu'on réfléchit, qui conscient de votre lit. Maintenant, ou vin populaire à cause du bon programme que peuple là, qui qu'on lit, qui qu'on minimum de éducation trouver que programme politique ou hein son programme qui satisfait yo conscient de lui et qu'on y a ou une populaire aux yeux de la population yo remet programme non mais yo populiste. OK,
yon populiste, li même, li gon discours, en réalité, anti-élitiste. Li entre dans des démarche pour exploiter à travers discours ça, tout temps et bas instinct peuple là. Ok, il fait appel à bas instinct, masse là, peuple là. Mais peuple là, et pas réfléchi, réfléchi. Et pas au programme que le gagne, il vient avec des slogans, il vient avec des ceci, il connaît peuple là, par contre, il lit, ceci, c'est là, il utilise peuple là, à ce titre-là, il manipule à travers l'opinion publique, il utilise des appareils idéologiques pour le capable de faire appel à este pour et peuple là, et puis peuple là courir à le voter pour slogan, diri poisson, les là, l'inan de loi, et puis étoile, et puis j'entendais peuple à le voter. Parce que peuple là, il jouit de ce qu'on appelle un terrain fertile, ok, côté que peuple pas qu'on lit, ok, conditions pas réunies, c'est normal pour peuple apparaître, ok, pour le voter. Mais le problème qui rivait populiste, c'est que les populistes rivaient sous pouvoir, ils toujours gagnent excuse. T'es me dit samedi, depuis un populiste rivait sous pouvoir, ils toujours gagnent excuse. Pour le gagner pouvoir. Oh oui, qui comment fait? Les fins pour pouvoir, les pour pouvoir, ils disent c'est vrai ou pas vrai le diriger. Ok? Oh oui, qu'on y a le bal d'où? Constitution, pas bon. Faut changer constitution. C'est le discours populiste, parce qu'il a besoin de concentrer pouvoir. Parce que qui ça le bal à coucher, il va pas faire rien, s'il va concentrer pouvoir. Peuple fin bal pouvoir. Avec un discours populiste, maintenant l'arrivée dans pouvoir. Qui ça te passe? Institutionnal, ici, on va l'utiliser mécanisme, dispositif légal, yo, pour limiter pouvoir, non, même. Maintenant, qui ça le bal fait? Pour le prendre pouvoir, pour l'accaparer pouvoir. Libral vient avec, utiliser appareil idéologique, qu'on y a là, pour manipuler peuple là, pour le dire peuple là que, li pas qu'à bailler résultat, parce que, en réalité, institutionnalisme, yo, yo empêche le bailler résultat. Maintenant, ça passe. Effectivement, yo empêche le bailler résultat. Mais, son démarche, pour le capable, changer constitution, concentrer pouvoir dans main, ok? Parce que pouvoir institutionnel, il serait même démonter les pouvoirs, pour faire timide, de quoi à ce que, pour éviter que on n'ait pas de tendance à concentrer pouvoir dans main, pour pas gagner tomber dans autoritarisme, dans régime autoritaire, dans régime dictatorial. Des fois, ça passe pour, et populiste, qu'on y a populiste, ça va l'obliger mobiliser masse là, pour le capable faire réforme, pour le reconcentrer pouvoir, yo. OK, qu'on y a libre utiliser, libre attaquer constitution yo, libre pour redynamiser institution yo en favel et puis qu'on y a pour reconcentrer pouvoir en amène. Maintenant elle reconcentrer pouvoir en amène, il consolide pouvoir li. Maintenant qui ça te parle passer qu'on y a là? Li pap ka bay résultat pire. Résultat elle pap ka bay résultat, c'est parce que elle parle confronté avec l'Occident. Libre à le confronter avec la communauté internationale. Libre à le confronter avec des ONG. Libre à le confronter avec des sanctions internationales, il va le mettre sous lui. C'est là, il va le ONU, il va le réunir sous CAI, sous KPI, ça. Il va le dire, oui, c'est dictateur, c'est crime, c'est là. Il va le faire sanction, il va le faire là, il va le voir, petit problème. Un pile problème. Pas le poser. Maintenant, il va créer une crise institutionnelle ici. Il va créer une crise dans le pays. Ya, pour yon bay coup d'État, pour yon déstabiliser le gouvernement. OK? Maintenant, si le gouvernement va pas gagner, le gouvernement va tomber. OK? Il va déstabiliser. Yon bay coup d'État. OK? Maintenant, le gouvernement tombe. L'international pour le découvrir. International, là. L'Occident pour le découvrir. OK? Il va le découvrir. Première bagarre, il va le faire. Il va le manipuler la classe politique, là. Et puis, il va venir avec jouer par yo. Même je n'ai pas assisté là, je dis là. Et puis, jouer par yo, il va le faire travail par yo. Maintenant, tout travail, il va le faire travail en surface. Il va le mettre un petit beurre. Il y a toujours qu'il y a le même système, non? Il y a toujours qu'il y a le même pratiquement, yo juste a pas son petit beurre, y a pas son petit couche mahogany, nan figi peuple là qui imbécile,
Je connais a fait là. Connais on dit paraît là, il propose à combattre corruption. Depuis temps, c'est retirer pied mettre pio son game cap jouer là. Il concentre tout pouvoir au nan men. Il neutralise conseil présidentiel là. OK? Il concentre tout pouvoir au nan men. Ministre pas ka nommer tout temps pas bail. Il prend tout ministère régalien yo qui ben ba griffe li. Et puis qu'on y a là, li lance yon campagne. Non série de bagay pour neutraliser. On série de institution, on série de toute administration publique là. Et puis s'entendre à la tout, qu'on y a là, il fin fait travail ça, il consolide pouvoir, il kembe pouvoir, qu'on y a là tester pouvoir. Et prof sort dit là. Qui sort dit là? Voyage qu'on y fait. C'est testé, oui, l'a évalué efficacité, première étape, pouvoir. Nous allons les dire là. Voyage li fait là. Libre ministre affaires étrangères. Libre ministre, li parti là. Et c'est le ministre intérieur. C'est évalué, testé, l'a testé terrain. Hein? L'a testé travail, il saute fait là. Pour regarder, est-ce que travail de consolidation, ça se fait, est-ce qu'elle est solide? Est-ce que CPA, est-ce que le conseil présidentiel l'a bien maîtrisé? Est-ce que ministre bien maîtrisé? Est-ce que travail que le saut fait là, est-ce que l'y bien maîtrisé? L'y font un voyage à l'étranger pour louer s'il y a contrôle qu'à là. Là, le montrer patron, là, le montrer communauté internationale là, que tout bagaille stable. Ou bien bagaille tellement stable, pays a tellement stable, travail a tellement bien travail, ou même vine voyager, ou même quitte pays à la, tout bagage sous contrôle. C'est le langage. C'est le langage, pour dire tout bagage sous contrôle, ou même, moi voyager, me vine là, pas gen, yo pas kakin bim de yo, parce que là, bagage ça, li testé, travail y a. Maintenant, le va retourner, le retourner, le va passer dans la deuxième phase là. Ou bien, il va passer dans la deuxième phase mission. OK? Pas oublier. Tout bagay nous a fait là, c'est comme pour débloquer. Washington se débloque et administration Biden se débloque et débloqué $90,000. Congrès américain pour que jambe débloqué comme non. OK? Comble et républicain pas d'accord pour débloquer comme pour financer. Monsieur. Et le pire, c'est que transition ou gen là, si élection fin fait États-Unis, Biden tombe, Trump monte, tout donne ou pas changer nan men, tout donne ou pas changer nan men Gary Conny. Nous comprenons nan di là? Tout donne ou pas changer nan men Gary Conny. Depuis Trump, t'as monté président. Tout donne, yo, pour changer, dans mes gars. Parce que, c'est réaliste, yo, qui va le prendre pouvoir. Réaliste, yo, c'est souverainiste, yo, anti, en quelque sorte, globaliste. Ok? Yo, une vision réaliste de l'État. Yo, une vision réaliste de la, en matière de relations internationales. C'est eux qui prennent les redéfinis paramètres, eux. Et c'est les ça, Gary Conny va avoir un problème. Maintenant, m'a dit nous ça pour me terminer. Pour moun qui mette espoir, yo dans Gary, parce que Gary va nous faire un bagage, c'est que c'est moun qui va étudier l'histoire pays d'Haïti. Nous va fouiller, nous va chercher qu'on est. Nous avons perdu le sens de l'histoire. Ok? Pas grand est sérieux. Gary qu'a fait là, son cob, n'est-ce que vin justifié, n'est-ce que besoin cob là, ok, n'est-ce que besoin cob là, je dis à là, n'est-ce que abattre pour fond cob, et n'est-ce que pas le perdre pouvoir là, n'est-ce que abattre pour fond cob sous de Haïti, il va le battre pour débloquer l'argent, et puis bailler des contrats avec entreprise payo yo gagné, et puis pour faire l'argent, et comme ça game nanyé là, sous de Haïti. Pas grand sérieux qu'a réglé là. A toujours dans misère, toujours dans gangou. So,
m'a toujours dit ça, révolutionnier. Révolution, il y a des gens qui ont un problème avec leadership. Révolution. Mais la révolution, n'a pas c'est une nécessité historique. Dans le cas où le pays d'Haïti est là, c'est une nécessité historique. Révolution. Pas de faire ou de pas boire. Parce que nature crise, nous avons là, son crise systémique liée. Son crise systémique liée qui là, ou pas qu'à combattre crise systémique ça, ou pas qu'à combattre li avec maquillage, avec solution néolibérale, avec solution et communauté internationale. Menti! Son crise systémique. C'est révolutionnier. C'est son rupture totale qui vous fait. C'est un changement radical qui vous fait. En profondeur, qui vous vide toute bagarre à terre. Quand vous voulez le révolution pour lier, il va l'autre bagaille. Sauf si nous sous bluff. Sauf si nous vous bluff. Rupture qui vous fait à système ça. Système pétionniste qui l'a. Dictature économique. Milatio ni balè mette en place là avec l'Occident dans le pays là, qui l'a depuis plus de 200 ans, qui est installé en 1806 là. Crise sous crise ça, crise systémique yo, c'est révolutionnier. Mais salue nous, kembe la palage, bataille a continué, nous c'est Bossal, n'a pas avancé, nous pas peur, kempe goumenye, eh bien, Bossal yo a poné yon l'autre révolution, pour yon l'autre Haïti, n'a pas avancé, kembe la, ciao.